Bienvenue sur Amina TV. Nous allons voir comment configurer et installer Home Assistant Community Store qui est développé et alimenté par la communauté de Home Assistant et c'est ça c'est très intéressant. Je vais aussi m'arrêter plus particulièrement sur une intégration sympa qui est les variables qui va nous permettre en fait de créer des entités autant qu'on le souhaite et de mettre n'importe quoi comme données pour faire afficher une info précise. Alors, c'est vrai qu'on pourrait utiliser les inputs, mais c'est casser un peu leur utilisation première. Bien entendu, si vous aimez ma charmante compagnie, n'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout pour m'aider et pour me soutenir, à vous abonner. Alors nous sommes sur le site internet de Home Assistant Community Store, je vous le mettrai bien entendu dans le lien dans la description. Il suffit bah, en fait de, claquer, de cliquer pardon, dans l'installation et nous avons tous les prérequis. Donc bon, voilà, la dernière de Home Assistant, ça j'espère que vous l'avez. Euh, le euh, un compte GitHub, hein, ça c'est pareil, il va falloir le créer si vous ne l'avez pas, sinon vous ne pourrez, euh, pourrez pas le faire fonctionner euh, tout simplement. Et euh, le file system, c'est-à-dire avoir accès au répertoire de config de ma assistante, etc., etc. Bien entendu, euh, vous pouvez aussi avoir accès au m'assistante file. Mais bon, ça, je n'en ai pas forcément besoin. Et d'une connexion stable. Bon, ça bien entendu, parce qu'il va falloir installer certaines choses. Enfin, je veux dire, télécharger certaines choses. Donc, vous, euh, pour moi, la méthode la plus rapide, c'est que vous cliquez ici, vous allez avoir du coup une petite archive à télécharger. Hein, voilà, donc vous prenez celle-ci par exemple, donc vous la téléchargez. Alors vous voyez, hein, il fait pas grand chose, hein, ça fait quelques kilos. Ensuite, il suffira d'extraire ce répertoire à un endroit bien précis que je vais vous montrer. Donc hop, hop, voilà. Donc là je suis sur mon Raspberry euh, où j'ai un Docker. C'est euh, la version euh, avec le superviseur Docker de ma assistante. Il me suffit de le mettre, comme ils me le disent, hein, dans config. Et ensuite, ici dans le custom euh, component. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, ce répertoire-là n'existe pas. Donc, vous allez devoir le créer et, du coup, extraire toutes les données de euh, Home Assistant euh, Community Store ici. Donc, c'est ce répertoire hein, qui suffira de mettre là-dedans. Voilà. Donc là, déjà, vous avez réussi la première étape, qui n'est pas spécialement compliquée. Hein et vous allez faire un restart et passer à la suite au niveau de la configuration. Alors la configuration c'est tout simplement le fait de récupérer le token au niveau de GitHub. Alors on va voir tout ça, je clique ici. Donc blablabla, bla bla, vous allez sur GitHub. Donc moi je vous le mets, vous allez ici, ensuite vous allez dans settings, cliquez dans development settings et « Personal Access Token ». Vous faites « Generate New Token ». Donc là, vous allez avoir le mot de passe. Il va vous demander le nom du token. Regardez, par exemple, moi, j'ai mis euh, « Home Assistant CS ». Et vous copiez bien et le collez, vous le sauvegardez à quelque part, ce token, pour pouvoir le mettre à un endroit bien précis. Donc voilà, hein. là, il y a toutes les infos euh, qui sont intéressantes. Voilà, tac, tac, tac. Vous cliquez ici pour le copier ou vous le sélectionnez. Et il va falloir le mettre à un endroit bien particulier, bien entendu. Ok, j'espère que jusque-là, je vous suis. Hein, Ensuite, il va falloir passer à votre Home Assistant, bien hein, sûr, de votre interface, aller dans les intégrations qui est ici, et de faire le petit plus. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce qu'il existe déjà. Vous allez faire le petit plus, vous allez euh, rechercher dans cette liste, alors voilà, celui-là. Et voilà, donc j'ai qu'une seule, je ne pouvais pas pouvoir aller plus loin, mais encore eux, ils ont mis plein de petites d'imprime écran. Vous, voilà, hein. euh, Homa Assistant Community Store. Vous collez du coup ici le token, vous faites un submit et après c'est fini. Vous avez fini la configuration. Alors après, il y a des options. Moi personnellement, euh, je n'en ai pas utilisé. Voilà. C'est pour activer le, le mode debug ou pas, etc. etc. Bon, moi, je ne l'ai pas. C'est très simple. Et une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir naviguer correctement dans Home Assistant Community Store. Voilà, ça, c'est cool. C'est la première étape. Dans cette deuxième étape, nous allons voir comment utiliser Home Assistant Community Store. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est partagé comme... Moi. Euh, il est présenté ici en quatre groupes. Alors là c'est les add-ons mais ça sert à rien parce que ça nous va directement dans le superviseur. Okay Donc ça je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici mais peut-être parce qu'ils veulent proposer leur propre addon par la suite. Ça c'est cool aussi. Euh, et nous avons les intégrations et les front -end. Donc les intégrations c'est comme les intégrations de Home Assistant mais développées par la communauté. Et les front -end, ça va être tout ce qui est thème ou les cartes qu'on qu va pouvoir mettre dans LoveLace. Ça aussi j'arrête pas de le dire mais c'est cool. Donc, les intégrations, par exemple, pour Moka qui possède pas mal de Shelly, eh ben, c'est ici qu'on va avoir l'intégration euh, faite par la communauté des Shelly, parce que nous n'avons pas euh, d'intégration de base dans Ma Assistante. Donc, quand vous allez trouver une intégration qui vous semble intéressante, il suffira juste de cliquer sur l'Install. Une fois que l'installation est faite, vous allez avoir seulement le, répé... le repository qui est affiché. Excusez-moi. Et ensuite, eh ben, il va falloir quand même lire la documentation comme toute euh, intégration euh, qui est liée à Home Assistant. Donc voilà, vous cliquez sur euh, le repository. C'est pour ça qu'on arrive sur Git, hein, en plus de cela. Et il suffit ensuite de lire euh, la documentation. Voilà, comment on utilise, comment on, on l'active, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la partie intégration. Nous allons voir le front-end. Alors le front-end, vous allez avoir deux parties, la partie Lovelace et la partie thème là, ici, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit bien ici. Euh, donc, si je clique sur Lovely, je vais avoir des éléments, des cartes. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Vous installez, vous faites le repository et vous lisez la documentation pour voir comment ça s'installe. Et les thèmes, c'est un peu pareil. On va faire un exemple assez simple parce que j'en avais déjà testé un pour voir un peu ce que ça donne. Donc, ceux qui aiment et ceux qui adorent iOS, vous avez un thème iOS Dark Mode par exemple. Donc, vous l'installez. Il suffit du coup de cliquer sur le repository. Et euh, de faire ceci là à la fin. Donc, ça, quand vous le faites, vous le faites une fois et après, c'est bon pour tous les thèmes. Vous redémarrez euh, du coup Home Assistant. Et une fois qu'il est redémarré, vous pouvez aller ici euh, dans euh, PI. Alors, est-ce que je l'ai redémarré Oui, je l'ai redémarré. Vous pouvez aller donc du coup sur votre profil, euh, PI, et vous cliquez ici. Et je suis en mode iOS Dark Mode. Voilà. Bon, bah voilà, c'est. C'est sympa, voilà, après chacun, chacun, voilà, ça c'est les goûts, les couleurs, chacun feront comme ils veulent, sachant que de base, voilà, je reviens comme de base, il y a déjà un mode, euh, voilà, sombre, hein, avec les couleurs primaires, hein, que vous allez pouvoir moduler comme vous voulez, regardez, hop, et euh, le mode secondaire, hop. Donc, vous voyez, euh, voilà, ça change aussi, vous, vous pouvez euh, vous amuser à faire ce genre de choses. Donc là, je réinitialise et je me mets en clair, ni plus... Ni moins. Voilà, donc on avait vu, on a vu, pardon, je vais me remettre sur ma assistante, donc on a vu les intégrations, on a vu le front-end et on va passer à l'intégration très intéressante des variables. Alors je suis passé sur la page de GitHub pour voir un peu euh, la variable, comment ça s'utilise. Donc la configuration c'est assez simple, hein. vous ajoutez en fait. Euh, le une attribut pardon dans le configuration.yaml var et à partir de là à partir de, de ça vous allez déclarer les variables donc par exemple là il a déclaré une variable x le friendly pardon le friendly name c'est en fait le label qui va s'afficher en ce home assistant donc là il a mis un grand x il a, il a initialisé la valeur avec 0 donc ça c'est pas obligatoire et on peut mettre une icône donc là il a mis mdi de point bug par exemple et là il a fait exactement la même chose avec euh, une variable qui s'appelle y. Voilà. Donc ça c'est la base, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez différentes pardon, types d'attributs. On peut avoir des queries en termes SQL, des colonnes. Voilà, il y a plein plein d'autres trucs. Euh, je ne suis pas allé trop trop loin. Je suis resté assez basique. Voilà, je vous laisserai découvrir. Si c'est très demandé, on verra peut-être dans une autre vidéo. Pour aller beaucoup plus loin que ça, mais euh, voilà. Déjà, juste en faisant euh, de la value, vous allez voir, c'est assez simple. Vous pouvez mettre euh, une value en dans score template, c'est hein, à dire que ça va pouvoir gérer le templating. Hein. Regardez, je vous mets ici ma vidéo sur le templating, comment faire du templating avec euh, Home Assistant. Donc, vous là, vous allez pouvoir le faire en termes de la value. Voilà, donc euh, et et il y a plein d'exemples en dessous, hein. donc voilà, c'est sympa. Euh, vous avez deux services qui sont euh, mis à disposition. Donc vous avez var.7 qui est un service qui va vous permettre de mettre à jour en fait tout, tous les paramètres. Donc moi je l'utilise plus particulièrement pour, mettre, pour changer sa valeur. Voilà, bon. Euh, mais vous allez pouvoir changer de façon dynamique bah, euh, son friendly name, euh, sa query. Alors, je pense qu'on peut faire des choses extrêmement tordues. Euh, J'en pose à quelqu'un hein, de Discord, un hein, mad. Là, je t'appelle comme ça, moi, mad. J'en suis sûr que tu, tu peux faire des trucs sympas avec ça, toi, vu que tu es un peu ouf. Euh, il est beaucoup, euh, bien plus ouf que moi. Enfin bon, euh, voilà, vous avez. Euh, donc var.set pour modifier ces petits attributs et vous avez var.update qui lui va juste mettre, forcer l'entité à se mettre à jour. Donc ça, ça dépend je pense, euh, euh, je pense que ça va dépendre euh, des valeurs que vous allez mettre au niveau du template ou au niveau euh, par exemple euh, du select parce que je pense que le select il va se faire une seule fois et après c'est à vous de dire tiens on fait un point update pour réexécuter le select. C'est pas euh, très clair, clair, clair euh, là ici dans, dans la doc euh, mais je suppose que c'est ça euh, si on regarde bien dans le truc euh, oui c'est je pense que c'est pour ce, ce cas de figure donc voilà je vais vous montrer avec node red comment utiliser de façon assez triviale très très triviale euh, ce petit, euh, cette petite intégration de variables alors on va aller dans node red alors, excusez-moi, on va d'abord créer les variables. Hein, je vais vous montrer hein, le B à bas, hein, d'abord la base. Euh, voici deux variables toutes bêtes que j'ai créées. Euh, donc, var de point, euh, présent dehors, last date. Donc, là, je veux flaguer euh, quand euh, je vais dehors pour euh, la date de la dernière fois que je, je suis allé dehors, par exemple. Et euh, par exemple, ici, dans ce cas de figure, je souhaite afficher bah, quand est euh, le coucher du soleil. Bah, que... Alors, c'est une variable qui est intéressante pour moi parce que je sais à, à peu près à quel moment mes volets vont se fermer. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, on va aller dans Node-RED. Voilà, c'est très trivial hein, parce que je n'utilise pas euh, constamment, mais je pense qu'on peut faire des choses très très poussées avec ce, cet outil-là. Donc, là, par exemple, j'ai mon système qui ferme mes volets le soir. Et donc, euh, toutes les 5 minutes, qu'est-ce que va faire mon système Et bien, bah, à chaque fois qu'il y a le cocher du soleil, je vais tout simplement faire un, un appel de service sur le node. Donc, voilà, là, j'ai le domaine VAR. Je vais faire un set. Et je, vais faire un var, je vais faire un set sur le VAR.nextDust hein, que j'ai déclaré précédemment. Et je vais lui mettre en termes de value, vous voyez, de value. Et eh bah ben, dollar moment et le moment que j'ai récupéré donc le dollar data attribute next dot c'est ce que je peux récupérer de l'entité sun.sun. Hein, et euh, je fais afficher en tout local string voilà tout simplement alors ensuite nous allons voir un peu comment ça se passe au niveau de Lovelace. alors voilà j'ai mis mes deux entités hein, qui sont des mes entités variables ici hein. donc, je, je vous le montre hein, en modifiant le tableau de bord voilà je modifie hein, j'ai bien mes présent dehors la date et mon var.nextdest. Donc là, mon node m'a bien notifié que l'heure du, du coucher du soleil va être aujourd'hui, donc nous, nous sommes le 19, à 20h20. Voilà, je sais que en principe dans cette zone-là, je mets mes volets roulants qui vont euh, sortir. Et j'ai fait aussi un petit truc au niveau de mon présent dehors hein, qui est lié en fait à mon dernier date dehors. Quand je clique ici, voilà, je notifie du coup à Node-RED, parce que j'ai plein de trucs, que je suis dehors. Et donc du coup, là, il m'a mis à jour euh, cette date-là en disant, tiens, euh, la dernière fois que tu as été dehors, parce que quand je fais ça, ça ne me met pas à jour, hein, c'est quand... Voilà, ça se met en on. Voilà. Là, la dernière fois que tu as été dehors, ça a été le euh, 2020 à 18h57. Bon, ça c'est juste pour faire style, pour un peu tester comment ça marche les variables. Voilà, c'était euh, pour vous montrer un peu rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les values, c'est un string dont vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, mais en format texte. Hein. C'est ça un peu l'inconvénient, malheureusement et on arrive à cette fin de vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je suis désolé j'avais dit dans ma, ma précédente vidéo que euh, j'allais faire du raspi je vais le faire tout à l'heure voilà je voulais mettre ça parce que euh, je vais utiliser les variables euh, dans raspi pour un cas euh, très précis et euh, donc du coup, j'avais besoin euh, de vous montrer ça avant de faire cette vidéo. En fait, je vais utiliser cette, euh, cette variable-là et je voulais être sûr euh, que vous ne soyez pas trop déboussolés en voyant en fait ce code-là. Mais bon, voilà. Allez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Allez à la prochaine. Bye bye.